Anne. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, très copain et copine, on espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais ma chasse aux fournitures scolaires. Oh, c'est déjà la rentrée des classes? Oui. C'est vrai? Non. Non, c'est pas encore la rentrée. Là, on est encore en vacances, mais on prépare la rentrée, hein. Oui. Alors, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu as envie de prendre? Oui, un agenda et un sac à dos. C'est tout? Pour l'instant, c'est tout. Alors déjà, toi, c'est pas un agenda, c'est un cahier de texte. Ah, d'accord. Eh oui, parce que tu rentres en quelle classe? CP. Oh, comme t'es grand maintenant. Eh oui, tu rentres au CP. Alors, l'école nous a donné une liste et effectivement, il y a un cahier de texte, un cartable et plein d'autres choses. Regarde. Ah oui. Effectivement, la liste de fournitures pour le CP, elle est quand même assez dense, hein. Il y a pas mal de choses. Et on nous dit, pas de cartable à roulette. Non, non, non. Bon, ben, c'est parti. Tu veux commencer par quoi? Le cahier de texte. Le cahier de texte. Allez, c'est parti, cahier de texte. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? T'as déjà repéré ça quand on est rentré dans le magasin Top Office, toi, hein? Tu veux ça, c'est vrai? Oui. Les lapins crétins. C'est le cahier de texte qui va te faire plaisir. Oui. D'accord. Mais c'est vraiment historique. Oh, d'accord, bah écoute, pourquoi pas. Alors, les cahiers de texte sont là. Donc, Swan, il a opté pour les lapins crétins. Il y avait d'autres possibilités aussi, notamment les mignons. Il y avait plein de choses très, très jolies. Et il y a aussi plein d'agendas. Mais bon, l'agenda, c'est un petit peu plus tard quand même, hein. Peut-être pour le CE1, l'agenda, tu crois? Oui, je crois. Oui, ça ira? Qui est juste après. C'est bon pour les lapins crétins? Oui. Alors regarde, là tu as ton chariot, rien que pour toi. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Ah, un sac à dos, le cartable, oui. Regarde, on va prendre ça aussi, petit cœur, tant qu'on y est. Les protège-livres, ça t'en auras forcément besoin. Et en plus, tu vois, ça permet d'aider Handicap International. Donc en plus, tu fais une bonne action. D'accord? Ok. Allez, adjugé. Alors, c'est où les cartables? Je montre. Tu me montres? Allez, tu m'emmènes. Les cartables. C'est par là, les cartables. Alors, regarde, là, ce sont les cartables pour les tout petits. Bon, ça, c'était pour la maternelle. C'est fini pour toi, ça. Maintenant, c'est le CP. Bon, là, c'est un petit peu pour les filles, j'ai l'impression. Oui, c'est là. Donc, c'est là. Alors, on nous dit pas de sac à roulettes et pas de sac à dos. Décidément. Alors voilà, ça c'est tout à fait le genre de cartable auquel tu as le droit. Regarde, il y a aussi là-haut, il y a les Avengers. Non, ils ont des roulettes, ça n'ira pas. Il y a un cartable Lego si tu veux. Regarde, qui est mignon. C'est un cartable Lego. Lego, ça te plaît? Alors, première piste pour les Lego. Là, il y a Astérix qui est sympa aussi, mais avec idée fixe. Ouais, t'as raison, il y a les roulettes. Donc là, c'est pas bon. Il y a Ernest là-haut qui peut convenir. Il y a celui-ci, effectivement, avec le drapeau. Il y a celui-là aussi, également avec des drapeaux. Il y a aussi celui-ci avec le ballon de rugby. Après, c'est du sac à dos. Ah, il y a des roulettes. Oh, pardon, j'avais pas vu, petit cœur. Bah non, c'est pas bon. Et là, on est plus sur du sac à dos, donc là, ils vont pas vouloir. Là, ils vont pas vouloir. Alors, Lego, il te plaît? Oui. Eh, il est chouette, hein? Il a l'air très joli, on va voir ça. Alors, d'abord il est joli, ça y a pas de problème. Regarde ça. Ah, il oui. a bien un format cartable. Pas de roulette, c'est bon. On regarde comment il est fait à l'intérieur, s'il y a assez de place pour mettre tes affaires. Ok. Alors, est-ce que tu sais comment l'ouvrir? Voilà, comme ça. Tu peux faire un par un, voilà. Comme ça, et tu tires en même temps la languette. Vas-y, tu appuies et tu tires. Alors, comment c'est fait à l'intérieur? Ah, c'est grand. C'est grand, ça va? Voyons voir. Oui, oh bah c'est bon. Regarde, il y a deux grandes pochettes. Là, on va pouvoir mettre ton nom, ton téléphone. Parfait. Oui. Devant, tu as encore une petite pochette où tu peux mettre des affaires. Pourquoi pas la trousse, par exemple, pour la trouver plus facilement. Bon, oui. Ça m'a l'air bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Il te convient, ce cartable? Oui. T'es sûr que tu veux celui-là? Il y en a d'autres, hein? Oui, je veux celui-là. Ah bon? Et eh ben. Les... Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu adores les Lego. Allez, adjugé pour le cartable Lego.
tu es rapide à choisir, toi, c'est incroyable. Alors, on a pris Pac-Man. T'es sûr que c'est bon, hein? Tu veux pas autre chose? Non. Alors, on n'a même pas tout regardé, mais t'as déjà flashé sur celle-ci. On va regarder quand même de l'autre côté. Alors, il y avait aussi Bart Simpson. Ça te plaît moins, Bart Simpson? Oui. Alors, Bart Simpson, c'était sympa aussi, mais bon, non, Swan, il préfère les jeux vidéo. Là, il y avait plein de choix pour les filles. Il y a aussi des drapeaux. T'as vu comme c'est joli? Très, très sympa. Oh, il y a celle-là aussi qui est jolie. Moi, j'aime bien celle-là, tu vois. Bien, celle-là. Ah ouais. Oui, un squelette dessus. Elle fait pas un peu peur, celle-là? Non, elle me fait pas peur du tout. Pas peur du tout? Il y avait aussi les lapins crétins, regarde. Ils sont là. Il y a les lapins crétins. Il y a les mêmes que sur ton cahier de texte, regarde. Les mêmes lapins crétins. Lui, il sait plus quoi faire. Et lui, par contre, lui... Eh ben d'accord. C'est ça l'histoire des lapins crétins selon Swan. Alors, dans cette trousse, on te demande un crayon à papier. Alors, c'est où les crayons? Derrière toi, je crois, regarde. Ah oui. C'est ça. Moi, je t'en veux la gomme. Tu veux une gomme? Oh, c'est pas obligé, c'est comme tu veux. Tu en veux un avec une gomme au bout? Oui, ça te fait plaisir? Allez. Oh, vas-y, oui, tu peux en prendre beaucoup parce que... Boing, d'accord. C'est bon, ils sont encore en bon état? Oui. C'est parti pour les crayons à papier. Voilà, bah, je pense que c'est bien, c'est du HB là. Parfait. Qu'est-ce que t'as vu, petit chou? Un poster avec du fil. Alors, un poster. Donc ça, c'est pas sur la liste, mais si ça te fait plaisir. Ce sont les nombres de 1 à 100. Oh, mais c'est compté jusqu'à 100. Parfait. Tu veux ça dans ta chambre, c'est vrai? Oui. D'accord. Et derrière, il y a même des jeux. Oh, des pointillés. Comme t'adores. Hein. Là, par contre, il est énorme. Il est énorme? Bah oui, c'est de 1 à 100. On le prend ou pas, alors? Allez, adopté. Alors, il y a aussi le système solaire. Il y a aussi l'heure, pour apprendre l'heure. Je crois qu'il y a aussi le corps humain, avec un squelette, oui. Ça, mettre dans la chambre, c'était un peu plus compliqué. Il y a aussi l'alphabet. Ah, tu voulais pas un alphabet avec les lettres majuscules aussi? Tu m'en avais parlé de ça. Ah oui, t'en as un avec les alphas. Oui. Oui, alors ça ira, du coup on a les alphas, c'est bon. Il y a aussi pour apprendre la géographie, les drapeaux. Tiens, c'est Néo qui aime bien les drapeaux. Ça lui plaira peut-être. Il y a également les nombres, mais de 1 à 20, du coup là c'est pour les plus petits. Les symboles de la France. Les instruments, la conjugaison. Oh, c'est peut-être pas encore la conjugaison au CP. Le cheval. Et des cartes du monde. Oh, j'ai une carte du monde. Tu veux une carte du monde aussi? Ouais. Oh, regarde comme elle est rigolote celle-là. Une carte du monde. Elle a plein de couleurs. Elle te plaît? Pour aller au pays. Oui. Pour voyager? Allez, on prend une carte du monde. Moi, j'allais en Australie. Tu veux aller en Australie, toi? Qu'est-ce que tu veux aller faire en Australie? J'allais voir les kangourous. On verra, petit cœur. On verra pour les kangourous. Oui, t'as raison, c'est là l'Australie, tout à fait. Il y a aussi celle-ci pour apprendre à lire l'heure. Tu veux aussi? Eh ben, on va décorer la chambre avec des affiches pédagogiques. Formidable. Ben, moi, t'as envie d'apprendre, toi, c'est bien. Hein. Alors, si tu veux encore des affiches, il y en a à l'entrée. Tu veux aller les voir? Allez, c'est reparti. Alors, c'était là sur ta droite. Regarde là-bas. Oui, là, hop. Elles sont là, les affiches. Tu vois? Là, il y en a aussi des très sympas. Ah, ça, ce sont des sous-mains, c'est pour poser sur le bureau. Ouais, mais wow. Ça, c'est la première calcul. Oui, pour faire des additions et des multiplications. Ça te plaît, ça? Oui. Oui. Petit chou. Bon, Swan, il adore les chiffres, il adore les lettres. C'est comme ça. Si Néo était avec nous, je pense qu'il s'arracherait les cheveux, lui déteste tout ça. Mais Swan, il aime. Donc ça y est, tu as les affiches pour décorer ta chambre et le sous-main pour mettre sur le bureau. C'est génial? Vraiment, ça c'est génial. Et ben voilà, on met ça dans le chariot. Et voilà, adjugé pour l'affiche. Alors maintenant, il faut un taille-crayon. Regarde, ils sont là les taille-crayons. Alors, avec réservoir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une petite capacité pour mettre les...
Les petites épluchures de crayon, on va dire. Voilà. Alors, il y a celui-là en vert qui te plaît ? Transparent ? Oui. Il y a aussi une map monde si tu veux. Tu vois ? Un petit globe terrestre là avec la Terre. Non, moi, je veux celui-là. Tu veux celui-là ? Parce que lui, il y a deux trous. Ah oui, t'as raison. Il y a pour les grands crayons et pour les petits crayons. C'est génial ! Pour les feutres, non ? Non, les feutres, on ne les taille pas, sinon il y a un problème. Tu veux celui-là alors ? Oui. D'accord. Et maintenant, il te faut une gomme plastique blanche pour créer un papier. C'est là les gommes. Regarde, elles sont là. Tu as comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, des gommes comme ça. Ou sinon, regarde, celle-là, c'est assez rigolo. Parce que tu peux sortir la gomme et ensuite tu peux la re-rentrer. Ça permet de la protéger dans ta trousse. C'est pas mal du tout ça. C'est bien. C'est bien. Néo, il avait ça aussi quand il était plus petit. Je vais faire ça. Ça, c'est bien. Sinon, il y a aussi ça. Hein. Regarde. En petite roulette ou là, pareil, il y a un petit bouchon que tu peux mettre dessus pour la ranger aussi. Qu'est-ce que tu préfères ? Celui-là, c'est bien ? Oui. Allez, hop, à juger. Maintenant, il faut des stylos billes. Alors, vert, bleu. Oui, vert et bleu. Les stylos, c'est ici. Donc, on nous dit vert, pointe fine et bleu, pointe fine. Voyons voir. Alors, les stylos billes, c'est là, petit cœur, regarde. Donc, oui, voilà, ça ce sont les classiques, on va dire. Voilà, tout ça c'est les classiques. Alors non, ceux-là, il y a marqué écriture moyenne. Donc c'est pas bon, ils ont demandé pointe fine. Ah, là, fine, voilà, ça c'est fine. Mais est-ce qu'on a demandé du noir ? Non. Pas du tout, vert et bleu. Vert et bleu. Vert et bleu. Alors c'est une pointe fine, t'as bien regardé dessus ? Oui, c'est bon. Sinon, regarde, pour pas s'embêter, là, c'est écriture fine. Il y a 4 bleus, 2 verts. C'est bien, ça, non ? Oui, et du noir, par contre. Bah voilà, ça sera le bonus. Ah ouais ? T'as des stylos en bonus. Formidable. C'est bon pour les stylos ? Oui. Alors, il te faut aussi un gros bâton de colle. 21 grammes. Alors, la colle, la colle, la colle. Voyons voir. C'est où, la colle ? Je sais pas. C'était pas là, vers les gommes ? Ça y est, on est perdu. C'est où la colle là ? Non ? C'est pas là ? Non, ça c'est la peinture. Voyons voir, on a perdu la colle ? C'est pas par là ? Non, là ce sont les feuilles. Mais on l'a vu tout à l'heure, c'est là-bas, c'est là-bas. Vas-y, vas-y. Ça doit être là la colle. Oui, c'est là, regarde. C'est avec les mignons. Alors il faut des gros bâtons de colle. 21 grammes, c'est ceux-là, tu vois. C'est ceux qui ont cette taille-là. Tu veux avec Gru ? Avec les mignons ? Oui. Comme ça, il y a 3 gros, tu vois, avec Gru et les mignons. Et puis il y a un petit au-dessus, ça sera le bonus. Comme ça, celui-là, tu le mettras dans le bureau de ta chambre. Oui. Ça te va ? Oui. Allez, à juger. Alors ça, c'était pas sur la liste, mais je pense que ça peut aider Swan. Ce sont des petits grips en fait pour positionner ses doigts correctement sur le stylo. Et comme c'est au CP qu'on apprend vraiment à écrire correctement, ben ça va pouvoir aider un petit peu Swan pour son apprentissage de l'écriture. Oui. Ça te va ? Oui. Maintenant, il te faut une paire de ciseaux de 13 cm. Et toi, tu es droitier ou gaucher ? Gaucher. Mais oui, donc il faut des ciseaux pour gaucher. T'es prêt ? C'est là-bas les ciseaux. Allez. Hop, hop, hop. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. T'es parti trop loin. T'es sûr que tu veux pas poser ton cartable dans le chariot ? Comme tu veux, hein. D'accord. Ok. Alors, dis donc, tu vas dormir avec ce soir, non ? Oui. Oui, ah bah dis, c'est le vrai cartable. Il faut dire que c'est ton premier cartable, donc c'est vrai que c'est important, ça compte. Alors, il te faut une paire de ciseaux de 13 cm. Alors, 13 cm, ce sont ces modèles-là, tu vois ? Des petits modèles comme ça. Et il te faut un modèle pour gaucher. Donc gaucher, il y a celui-là par exemple. Ça c'est pour gaucher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour gaucher ? Attends, je regarde s'il y en a d'autres. En dessous c'est du 13 cm aussi. Ah non, là c'est plus grand, c'est du 17. Ça c'est plus grand. Et ça ? Ouais. Celui-là, si c'est 13 cm mais c'est pas gaucher. Ah ouais. Il n'y en a pas énormément des gauchers en général, tu sais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qu'un d'ailleurs. Attends, il y a celui-là. C'est le même, hein ? Mmh. Ah oui, même celui que je t'ai montré tout à l'heure, il était trop grand. 13 cm gaucher, c'est forcément celui-là.
Donc il y a bleu et gris, ou alors il y a orange et rouge, ou alors il y a rose. Qu'est-ce que tu préfères, mon chat? Lui. Waouh, il est beau, hein? C'est bien ces couleurs-là? Oui. C'est plein de gaieté, c'est très bien. Maintenant, il faut une règle, un double décimètre en plastique gradué rigide. C'est où les règles? Tu les vois? Non. Bon, bah on va chercher. Allez, vas-y. Alors, où sont les règles? C'est pas par là? Non. Ici, non, il me semble que je les ai vues quand on est arrivé. Alors non, là ce sont les agendas. Ça y est, on ne sait plus. Alors ouvre grand tes petits yeux, hein. Est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est par là? Non. Oh, on trouve pas. Ah si, là il y en a, regarde. C'est là, c'est là, c'est là. Ça y est, on a trouvé. Donc 20 cm double décimètre, voilà, c'est une petite en fait. T'as pas besoin de tout ça, petit cœur. Toi, tu as besoin d'une petite règle. On nous dit rigide, mais incassable, c'est peut-être un peu mieux. Alors même si l'année dernière, quand on vous avait dit, les copains et les copines, qu'on avait pris des règles incassables, vous nous avez tous dit, mais ça casse. C'est vrai. Celle de Néo a quand même fait toute l'année, hein, mais je pense qu'il a vraiment fait attention. Tu veux comme ça? Oui. Ça te plaît? Oui. C'est vrai qu'elle est jolie. Moi, tu s'appelles comment? Un double décimètre. 2 fois 10, 20, donc un double décimètre. Oui, mais ça casse. Alors normalement elle n'est pas censée casser. Normalement elle est incassable, tu vois. Je dis bien normalement, hein. On va voir si ça dure, mais en principe c'est incassable. Alors finalement Swan a des doutes sur le côté incassable de la règle. Tu préfères changer? Oui, en fer. Carrément? Oui, en fer. Pour pas qu'elle casse du tout? Non. Swan il se connaît bien. Il sait que le cartable, voilà, va avoir beaucoup beaucoup de sport. Donc là 20 cm en aluminium. Donc là oui, effectivement, avant de la casser celle-là, il faudrait vraiment que tu passes sous un éléphant. Ça ira comme ça? Oui. Allez, on prend celle-là. Voilà, en aluminium ce que ça donne. Bon, elle est très jolie aussi, hein. Et là au moins, elle est solide. Maintenant, on nous demande des crayons de couleur et des feutres dans des trousses. En fait, il faut 3 trousses. Combien on en a choisi nous? Oh, on va en choisir 2 autres? Oui. Allez. Alors du coup, on a 2 trousses supplémentaires à trouver. Alors déjà, oui, voilà, il me semble, tu avais un petit peu hésité tout à l'heure. Celle-là, celle qui est assortie à ton cahier de texte? Oui. Du coup, on adopte en plus la trousse lapin crétin, avec plein de couleurs, effectivement, très jolie. Encore lapin crétin? Oui. Pour l'autre aussi, si tu veux. Ah, effectivement, celle-là est très rigolote aussi, hein. Tu veux ça alors? Oui. Allez, adopté. Et maintenant, dans ces belles trousses, il faut mettre des feutres et des crayons de couleur. Alors, il y en a ici. Donc là, il y a crayons de couleur jusqu'en bas. Et à côté, il y a les feutres. Alors, on nous dit pour les crayons de couleur, une boîte de 12. Ça, c'est des mini. Il faut des grands quand même. Des comme ça? Oui. Boîte de 12 comme ça, c'est bien? Oui. Oui? D'accord, petit cœur. On prend ça. Il y a ceux-là aussi, sinon, hein. Regarde. Il y a ceux-là aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Tu prends ce que tu veux. Ceux-là. Ceux-là, c'est bien? Oui. Allez, adopté. Swan, il a choisi les Color Peps. Pour les feutres, on nous dit 12 feutres à grosse pointe. Alors, c'est où les grosses pointes? Là, c'est pointe fine. Là, c'est pointe médium. C'est pas bon. Là, c'est longue durée. Là, pointe large. Ce sont ceux-là. Là, regarde. T'as une boîte de 12 comme ça, si tu veux. Ça te convient, celle-là? Oui. Donc 12 feutres et pointe large bloquée même. C'est bon? On a tout? On a tout. Allez, ensuite il faut un porte-vue. Alors là je vais t'aider. Je pense même que c'est moi qui vais le choisir. Et une ardoise. Une ardoise effaçable à sec. Ça t'aimes bien. C'est là les ardoises, regarde. Alors, là il y a des ardoises, mais les ardoises qui fonctionnent avec les craies. Tu vois? Tout ça c'est avec les craies. Or nous, ce qu'on nous demande, c'est une ardoise blanche. Il fonctionne, tu sais, avec les feutres effaçables, une ardoise magique. Ah oui. Oui, comme t'aimes bien. Alors, on va en trouver une. Les ardoises, elles sont là. Alors, tu peux choisir, il y a plusieurs couleurs. Il y en a avec des petites formes aussi, regarde, en jaune, comme ça. Avec des formes, ou alors en bleu clair, ou bleu foncé, ou rose. Qu'est-ce que tu préfères, Loulou? Bleu clair. Bleu clair, donc une comme ça. Ça fait plus soleil. Plus soleil, un petit cœur. Ça fait plus le ciel bleu des vacances, c'est ça?
Oui, mais parce que le bleu foncé, ça fait la lune, quoi. Ah, d'accord. D'accord, petit cœur. Que c'est foncé. Bien sûr, chérie. Voici l'ardoise. Alors, effectivement, ardoise magique avec un côté blanc et un côté qui permet d'écrire. Et là, il faut qu'on prenne les feutres qui vont avec et qui doivent être à côté, je suppose. Oui, ils sont là, regarde. Hop, tu vois, c'est comme ça pour les feutres. On nous demande d'ailleurs 4 feutres de couleurs différentes, je suppose. Ben, on prend ça. Oui, d'accord. Il y a les 4 couleurs et il y a 2 fois le feutre bleu. C'est bien? Oui, ça va. Allez, on prend ça. Il faut qu'on trouve maintenant le porte-vue. Bah dis donc, ça commence à bien se remplir quand même ce chariot, hein. Alors avant de partir chercher le porte-vue, Swan se dit quand même qu'il va pouvoir poser son cartable. Voilà, un petit moment qu'il l'a sur le dos. C'est bon, t'es d'accord pour le laisser quelques minutes? Oui. Bon, ça va. Allez, on va chercher le porte-vue. Alors les porte-vues, c'est là. Il te faut un porte-vue 80 vues. 21, 29, 7 de couleur verte. Regarde, c'est là. Tout ça, c'est des porte-vues. C'est-à-dire que, oui, il y a des pochettes plastiques pour mettre des documents à l'intérieur. Et donc, il faut 40 volets, donc 80 vues. Alors, ça doit être marqué dessus. Là, c'est marqué 40 vues, tu vois. C'est pas ça. Il te faut 80 vues, toi. Là, c'est 60. C'est là. Les 80 vues, c'est là. Et donc, il faut un vert. Un vert. Couleur verte. Ça, c'est un 100 vues, attention. 80 vues, ils sont là. Voilà. C'est vert, 80 vues. Ça doit être un A4, apparemment, 21, 29, 7. Oui, c'est bon, on a trouvé. Super. Génial. Swan, je crois qu'on a tout trouvé. Oui. Je vérifie, hein. Ce qui va nous manquer, ce sont les affaires de sport. Mais bon, c'est pas ici. 2-3 bricoles et puis un stylo plume. Mais c'est un stylo plume spécial qu'il faut qu'on aille chercher dans une papeterie à Lyon. Enfin, voilà. Ça, on le fera ultérieurement. Oui. Sinon, tu as tout. D'accord, ok. C'est bon? On vérifie? Oui. Waouh. Tu crois qu'il y a assez de choses? Oui. On a le cartable, on a les trousses, on a même trouvé des affiches pour décorer ta chambre, ce qui n'était pas prévu. Et également un sous-main pour ton bureau. Bon, je crois que t'es paré là, hein. Alors, je pense que ce qui te tient le plus à cœur quand même, c'est le cartable. Ouais, alors là, le cartable, vraiment, c'est ce que t'as préféré. Le cahier de texte, bien sûr, avec les lapins crétins. Et les trousses, Pac-Man et lapin crétin. Waouh. Et bien, avec tout ça, je crois que le CP va pouvoir commencer avec la bonne humeur. Déjà. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. On va commencer déjà à la maison. À la maison? C'est vrai? Mais c'est encore les vacances, là. Non, mais j'ai commencé déjà. C'est vrai? Tu veux déjà retourner à l'école? Tu veux déjà avoir des devoirs? Oui, mais je vais m'entraîner. Ah d'accord, bah dis donc, t'es plein de bonne volonté toi, ça fait plaisir, hein. Qu'est-ce que tu as préféré dans toutes tes fournitures? Évidemment, le cartable, bien sûr. Ensuite, c'est le cahier de texte. Et mon quatrième préféré, voilà. Les crayons de couleur, d'accord. Et comment? Et copine, est-ce que vous avez déjà fait votre chaise au fourmi de scolaire? Pensez aux pesées. Et surtout, abonnez-vous à bientôt les copains et copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Swan, le sol c'est de la lave. Dis donc, c'est super facile. T'es bien là-haut?